Mon nom est Ngué Sankofi Angérique et j'ai interprété le personnage de Daniel Kwadio dans MTV Sugar. All this time, I thought I was a loner. No, turns out, I was wrong. I freaking love people, you know? Daniel Kwadio est un jeune Ivoirien, propre sur lui, respectueux, poli, qui a eu la chance de faire son collège en Afrique du Sud, où il a rencontré pas mal de belles personnes, en l'occurrence Dineo. Lockdown makes it difficult to do anything. Daniel Kwadio se sent, on va dire, un peu étouffé à la maison, puisque c'est quelqu'un qui est toujours en contact avec des personnes. Il est professeur maintenant. Il est toujours en contact avec des gens et là, il se retrouve confiné à la maison sans pouvoir faire quelque chose. Et la seule personne avec qui il va le plus échanger, c'est avec Dineo. Savoir comment est-ce qu'elle vit, elle aussi, son confinement en Afrique du Sud. Et ils vont voir qu'ils ont pas mal de similitudes, mais en même temps, ils vivent pas mal de problèmes. Donc, ils vont parler à ce sujet-là, en tout cas. Et Dineo est très importante pour lui. I need your company, you know. I don't want to be alone right now. Oh, I'm sorry. Pour moi, en tout cas, la connexion entre plusieurs personnages comme ça et de différents pays, c'est une manière, on va dire, d'unir des personnes autour de cette situation-là. Parce que pour des personnes qui vont regarder MTV Sugar Alone Together, ils verront sincèrement qu'ils ne sont pas seuls. Exactement, cette situation-là, on la vit tous, vous comprenez. Et en même temps, dire qu'on est tous unis, c'est les mêmes choses que nous vivons. Le petit problème que j'ai eu, en tout cas, ça a été au niveau de la lumière, puisqu'il y a beaucoup de lumière dans ma chambre. Je ne savais pas comment me positionner et tout, la caméra, je ne savais pas comment bien recadrer les choses, puisque en même temps, tu es le cameraman, tu es le preneur de son, tu es celui qui arrange la lumière et tout. C'est augmenter son interaction avec le monde extérieur, de sorte à ce qu'il ne se sente pas seul, parce que quand tu es seul à la maison, tu te dis que voilà, tu ne sais pas quoi faire, est-ce que tu es le seul à vivre ces problèmes et tout, mais en discutant avec d'autres personnes, tu as cette chance là de pouvoir voir que voilà, tu n'es pas le seul à vivre cette situation, on est tous dans le même bol. Et je pense que c'est une suite logique pour MTV Sugar, parce que même à travers toutes les saisons qui ont eu à être réalisées, il y a toujours cette diversité là, vous comprenez, il y a toujours ce contact, il y a toujours cet échange là entre différentes cultures, entre différentes personnes. Et je pense que c'est parce qu'on a cette chance là d'être différents, de discuter ensemble, d'échanger. Ben, on espère aussi avoir plus de beaux projets comme celui de MTV Sugar, que ce soit Alone Together ou MTV Sugar en général. C'est un projet novateur, c'est un projet qui encourage les jeunes, c'est un projet qui est dans l'air du moment, qui est toujours proche de des jeunes, des parents, de ce qu'on vit en réalité. Prenez soin de vous et respectez les barrières de sécurité. On espère que tout cela va finir dans de brefs délais en tout cas.